le savez, il y a maintenant plusieurs mois, j'ai lancé une série où j'imite le style de jeu des pros en arène. On a déjà fait Martos, Mon Graal et plein d'autres. Et aujourd'hui, on s'attaque à Benji Fishy, tout simplement parce que c'était le commentaire le plus liké de la dernière vidéo. On m'a dit également de mettre le skill sirène. Du coup, on va se l'équiper direct. On va dans le casier et le sirène est juste ici, parfait. Avec ça, on m'a dit de mettre la pioche Kratos. Malheureusement, je l'ai pas. Et honnêtement, pour moi, la pioche mythique de Benji, c'est simplement la baguette Tholis. C'est lui qui a inventé ce combo. Du coup, on s'équipe. On va aller en arène et vraiment essayer de jouer comme lui. J'espère que ça va bien se passer. Je sais pas si on fera autant de kills, mais bon, on va tout tenter. N'hésitez pas dès maintenant à proposer d'autres pros en commentaire. Pensez également au petit pouce bleu parce que le prochain épisode, on le fera aux 20 000 likes. Alors, je sais que c'est chaud, mais bon, là, faut les péter si vous voulez un 6ème épisode. Pensez également à vous abonner, c'est super important, les gars. Il y en a plein qui regardent les vidéos sans être abonnés. N'hésitez pas. Bref, sur ce, on part en game. A tout de suite. Ok, on est parti directement. Qu'est-ce qu'il est incroyable ce combo quand même. Je l'aime trop. Merci Benji de l'avoir créé. Alors Benji, il y a plusieurs spots qu'il aime bien. Il aime beaucoup Believer Beach, Pleasant Park et également Lazy. Bon, lui quand même, en général, il va toujours dans la première ville parmi les trois. Et du coup, là, on va aller à Pleasant Park. J'espère qu'il y aura pas mal de monde. L'avantage, c'est que Benji, c'est mon joueur pro préféré. Du coup, je connais exactement comment il joue. Je m'inspire beaucoup de lui. Donc, ça va pas être trop compliqué de le recopier. Enfin, si, mais on va dire que je connais quoi. S'il te plaît, dis-moi qu'il y a beaucoup de monde. Je me retourne maintenant. Oh, ça va. Sympa, sympa. Salut vous. Ça va les gars? Nickel, bonjour. En général, je vois souvent aller dans ce bat là, mais il aime bien aussi le côté de la ville là-bas. Du coup, je pense qu'on va drop là. Oh, il y a un mec qui veut me conteste. Il n'y a pas d'arme là. Incroyable, on a le levier. En plus, c'est un de ses pompes préférées. Il le joue très très souvent. Là, il faut lui faire honneur. Quel mec est là? 84 blanc. Et il dégage, nickel. 31 shield. Oh là là, ça sort. Par contre, ça aussi, ça sort. Je veux pas du pistolet blanc, moi. C'est quoi cette merde? Y a pas l'air d'avoir de monde par ici. On va vite aller voir le distributeur. J'espère qu'il y aura des milliers d'armes parce que là, une, c'est vraiment pas suffisant. Oh, c'est des pistolets, super. Ça se bat là-bas, faut que je me dépêche d'y aller par contre. Oh, je l'ai vu aussi, mec, là-bas à droite. 25 une fois. Y'a un mec qui me push, qu'est-ce qu'il fait lui? Nickel, ça sort. Mais comment ça tu me push frérot? J'ai le skin de Benji, je peux que être confiant en fait. On va garder le levier, je pense que c'est ce qu'il aurait fait. 33. Mec là a l'air super chaud. Crac. 80 blanc. Let's go Sector, dégage de là. Parfait. Bon, pour l'instant ça se passe super bien les gars. Juste en termes de construction, on n'est pas au top non plus. Il va falloir farm, mais ça je peux vous dire que c'est le moment que je déteste dans la game. Oh là 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 là, prendre ma pioche comme ça, faire le bûcheron, c'est trop chiant. J'aime bien de tuer un petit mec qui va en avoir lama ou quoi être full. Bref, là c'est pas le cas. En général, ce que Benji fait, c'est que quand il spawn à Pleasant Park, après il part vers Bonnet Burbs avec une voiture. Du coup, bon, on va suivre sa rota. J'espère qu'elle sera aussi payante que lui parce que lui en général il arrive toujours à récupérer 2-3 kills comme ça. Hop, petit changement de voiture, la voiture noire elle est tellement forte. Parfait, c'est en train de se battre. Là. Oh lui les cracks. Alors toi si je te suis pas mon gars. Quoi? Oh là là ce clip les gars. Oh là là. Appelez moi Was Fishy en fait. Je l'ai détruit le petit code là. Il y a sa tête qui a tapé. Bam. On va retourner là-bas parce qu'il y avait un autre mec. Où est-ce qu'il est passé par contre? Oh il va se cacher. C'est horrible les gars. Je déteste les mecs comme ça. Oh là là gros laser sur lui. Comment ça tu veux prendre le pote frérot? Tu bouges pas de là? T'as cru quoi? Bon là par contre le space, je pense qu'il le prendrait quand même hein. Le space les gars, ça reste une arme incroyable que tous les pros adorent. Étant donné que les pros ils ont un gros aim tu vois. Donc il rate très peu de balles. Lui par contre je l'ai pas oublié. Oh pourquoi y'a un... Wesh, pourquoi y'a un pigeon? Perfect. Oh là 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 là, mais ça sort aussi. J'ai entendu un mec à côté par contre, je sais pas si c'est un bot. Y'a un bot ici ou pas les gars? J'ai passé pour un con encore. Et là je pense qu'il y a personne. On est déjà à 7 kills pour l'instant, il y a 19 remain. En vrai, il y a moins de claquer la 15 kills les gars. Et dans ce concept, si on fait pas la 15 kills, on a raté le défi. Les pros ils font pas 12 kills frérot, ils en font 15 minimum. Benji, son gros avantage c'est vraiment son piece control et son intelligence de jeu. Et là pour l'instant j'essaie de bien boxer les gens. Après les gars, c'est très dur de copier Benji quand même hein. C'est un joueur tellement fort, un des meilleurs du monde, que c'est pas évident, mais je fais de mon mieux. Il y a un contrat par ici. Est-ce que le mec se cache dans Risky? Ok, regardez, il est juste là, on va lui foncer dedans, on envoie la voiture. Nope. Et les cracks, mais il m'a crack aussi. 93. Frérot, t'es chiant là. Il a repris 40 shield.
Il a pas réussi à refermer, mais mon gars, alors ça bégaye. Alors là, vrai dilemme, est-ce que Benji prendrait la Hogue ou la Scar silencieuse? Je pense qu'il prendrait comme la Hogue, non? En fait, il a tellement abonné, mais je dois tellement mettre des lasers à la Hogue, etc. en compétition, que je pense qu'il la prendrait, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que je me suis trompé, mais je pense que c'est un bon choix. Frérot, là, je crois que t'es en train de regarder ma vidéo sans être abonné, là, il se passe quoi? Donc là, maintenant, tu vas cliquer sur le petit bouton rouge juste en dessous. Voilà. Merci. Tout à l'heure, il y avait un mec là-haut, on va le pêcher. On est à 8 kills, 13 remains. Allez, c'est faisable, mais faut vraiment que j'arrête de parler pour rien. D'ailleurs, comme vous le savez, à chaque fois avec les pros, je vous raconte une petite anecdote, et bien celle d'aujourd'hui. C'est simplement sur Benji. Comme vous le savez, j'ai organisé plein de tournois, notamment les Wasp Cup, BDS Cup, etc. Et à chaque fois, Benji Fishy était invité. À l'époque, il était en duo avec Mon Graal. Et du coup, bah, je devais lui parler pour qu'il puisse gérer tout ça, etc. Et honnêtement, Benji, c'est une crème. Il est trop, trop gentil. Pas d'ego ni rien. C'était un des pros pourtant qui était déjà au top à l'époque. Et c'était pas une star, tu vois. Il faisait pas la star. Vraiment super gentil. Dites-vous, il m'avait même host sur Twitch à l'époque. Donc, un excellent gars, Benji. Aussi bien en termes de niveau jeu que sur le plan humain. Bref, je parle, mais je tombe sur personne. On va reclaquer un pad. Wesh, il se passe quoi là, avec le cube? C'est quoi ce truc? What the fuck? Que j'avais jamais vu. Wow, ça fait flipper par contre, hein. Ici, malheureusement, il y a personne. Je me suis dit, peut-être dans le fight, tu vois, il y aura quelqu'un qui traîne. Mais non, rien du tout, gros. D'ailleurs, depuis le reset des points, je suis à 1400 points en 2 jours. Je joue pas énormément, mais en fait, j'essaie vraiment de pas trop jouer en hors vidéo. Comme ça, je monte en vidéo, vous voyez. Et vous pouvez suivre également mon évolution. C'est un petit peu comme si c'était une série où je monte champion, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça sympa. Par contre, je croise vraiment personne. C'est horrible. Oh là. Oh, il est blanc. Oh, il a un HP. Alors là, les gars, je suis obligé de pad, hein. Il y a un autre mec qui s'est posé juste là. Qu'est-ce qu'il fait, accroupi, frérot? Mon gars? Ça va? Qu'est-ce qu'il foutait là, les gars? On m'explique ou pas? Bref, faut vite que j'enchaîne là. Allez, allez, allez. Bouge-toi, Oaz. Dites-le moi. Ferme là, il joue, putain. C'est grave. C'est lui qui me dit ça, il est ban. Frérot, j'ai le mur. Allô, 32. 30 encore? Nope. Il est parti là-bas, non, me dis pas qu'il va prendre le boots. Oh là là, je le déteste. Et là, faut absolument que j'extende fast. La grosse, dis-moi qu'elle passe. Oh damn! Non, c'est grave, j'ai mis 153. Bref, vous savez quoi, on est parti pour une game numéro 2. De toute façon, on n'avait pas les 15 kills, donc ça vaut rien. A tout de suite. Ok, on est parti pour la game numéro 2. Et le but, c'est parfait pour Bolivar, qui est également l'une des villes qu'il affectionne le plus sur le jeu. Du coup, bon, on va s'y rendre. Il y a énormément de monde, mais c'est quoi ça, sérieux? T'as cru que je t'avais pas vu ou quoi, frérot? T'es pas invisible, hein? Let's go. Ok, nice, 2 kills récup. Ah, laissez-moi me heal, bordel. Allez, tu sors, ça dégage. Bon, pour l'instant, on est déjà à 5 kills, c'est une excellente game, hein. Let's go, un kill encore. 49. Parfait. On est déjà à 7 kills et il y a encore un mec qui est juste là. 66. On va le retake. 130. Oh là là, mais tu sors toi aussi, L2 by Charlie. Mais qu'est-ce que vous avez à me pêcher, les gars? Je joue comme Benji, bien sûr que je vais vous détruire. 8 kills, mais what the fuck, j'avais fait un aussi gros spawn. Eh, hey, je vais venir plus souvent en Bolivar, je crois. Hein. Au niveau du stuff, ça va, c'est validé. Benji adore le chasseur bleu et il joue très souvent aussi avec un harpon parce qu'il aime bien l'in les box quand les mecs sont low. L'ori shield, bah voilà, y a pas trop le choix. Bref, c'est validax. Ok, y a un mec qui est juste là, regardez, je le vois. Le mec a l'air assez confiant. Ça bug, les gars, ma souris. What the fuck, vous avez vu ou pas? Oh là là, j'ai eu tellement peur. Il m'arrivait de dinguerie. Oh non. Ok, là j'assiste à un bug en pleine vidéo que j'ai depuis je sais pas combien de jours. Regardez, je ne peux pas ramasser toutes les armes. Voilà, là ça va, celle-là ça va, mais regardez ça par exemple. Les splash piments là, j'arrive pas. Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Bref, 9ème kill, parfait ça. D'ailleurs, dans ce fight là, j'ai fait une technique que j'aime beaucoup, c'est faire le noob. C'est-à-dire qu'au début, le mec il me piochait, etc. Je faisais aucune edit. Vraiment, je faisais le mec qui a peur, etc. Qui agresse jamais. Comme ça, le mec après il a full pioche. Vous voyez, au début il faisait ça.
A chaque fois il reprenait son pompe si jamais j'éditais. Et puis en fait vu qu'il a vu que j'éditais jamais, et eh bien il a simplement mis plein de coups de pioche. Et donc bah là j'ai pu le boxer et le tuer. Il y a encore 16 remains, allez là la 15 kills, elle est faisable, let's go. Oh il y a un petit levier. Alors ça Benji, il aurait pas craché dessus, je vous le dis. D'ailleurs dans mes deux dernières vidéos, je vous ai dit simplement que si vous voulez que je vous aide à monter champion, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram qui est wasth mon insta. J'ai dit que de temps en temps j'avais bien aidé des abonnés, etc. et que j'allais en faire une vidéo. Et eh bien j'ai reçu des milliers de messages du coup. Donc je suis vraiment désolé si je peux pas tous vous répondre, j'essaie d'en prendre encore plus que d'habitude. Et malheureusement les gars, vous doutez bien que sur 3-4 000 demandes, je peux pas vous prendre. Après ça vous coûte rien. Comptez toujours hein, à tout moment voilà ça tombe sur vous et vous êtes content quoi. J'entends un mec mais je sais pas où il est. Qu'est-ce qu'il fait à se cacher dans le bat comme ça? C'est horrible les mecs qui jouent à cache-cache dans des bâtiments. Je l'ai bien crack. Je le retrouve plus mais non c'est une blague. Frérot! Au bout d'un moment, les gars, il faut accepter la mort, hein! Nickel! 72! Oh là 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 là! Mais ça sort! Déjà, on se kill! Je les massacre, les gars, c'est un carnage! On va prendre le drop. Alors, est-ce qu'il y a encore les pattes dedans? Je me souviens plus. Malheureusement, la P90, on va pas la prendre en tous les cas. Benji n'est pas vraiment un joueur PM. Moi, même si je l'adore, bah, je suis obligé de pas trop la prendre. Hein. Alors, toi maintenant. Oh non, tu t'es mis le. Non, l'arbre. Il a cassé tout mon espoir. Putain, le karma. Parfait. Oh, 12 kills. Il reste très très peu de remains. Il faut absolument que je me bouge. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire depuis quand vous connaissez Benji. Moi perso, je le connais depuis qu'il a déjà une énergie. Donc, un petit peu avant la World Cup, il était déjà très fort. Mais je sais pas pourquoi j'étais passé à côté de lui totalement. Il avait, je pense, 2-3 000 abonnés. Vraiment, quand je l'ai commencé à le suivre plus sérieusement. En termes de stuff là, il faut en parler. Hein, vraiment, j'ai le Hog en or. C'est trop trop fort. Le levier est pareil. J'aime beaucoup. Il y a des mecs au niveau du pont. J'ai mis deux petites balles, il a trop de chance. Il a un HP. Parfait, la mongrale qui passe bien. Ça, Benji le fait tout le temps. Une fois qu'il t'a mis une balle, frérot, c'est mort, il va pas te lâcher. Tu peux quitter la game limite. Allez, plus que deux kills avant l'objectif. Il a pris 55. Super bien aggro, j'ai rien pu faire. On a fait combien de kills? On a fait 14, les gars. On n'a pas respecté le top 1, 15 kills. On a fait top 3, 14. C'est à vous de nous dire en commentaire si c'est validé ou non. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer. Si c'est le cas, comme d'hab, qu'est-ce qu'on n'oublie pas, les gars? Le petit pouce bleu, l'abonnement. Je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao!